commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je viens vous présenter des nouvelles applications Google Home. Alors comme je dis dans certaines vidéos, certaines applications vont pouvoir vous servir, certaines applications vont être utiles pour certains et moins pour d'autres. Mais beaucoup d'abonnés m'ont demandé de présenter à peu près toutes les applications qui sortent. Alors voilà, j'en ai trouvé d'autres, je vous les présente, c'est pour vous. Merci à vous tous mes abonnés qui likez, qui partagez, qui regardez mes vidéos, qui prenez un peu de temps sur ma chaîne, c'est vraiment très sympathique de votre part. Allez, on va tout de suite rentrer dans le but de la vidéo. C'est parti sur notre ami Google Home. On va lui demander de parler avec Boursorama Bank. Il semble que votre compte Boursorama Bank ne soit pas encore connecté. Vous pouvez associer Boursorama Bank à votre compte Google à partir de l'application Google Home. Alors, qu'est-ce que Boursorama Bank ? Boursorama Bank. Grâce à l'application Boursorama Bank, gérez vos comptes bancaires en toute simplicité et sécurité depuis votre assistant Google. Consultez le solde de vos comptes, créez des alertes, consultez les informations boursières, faire des virements, utilisez nos simulateurs, consultez la FAQ. L'application Boursorama est un service gratuit accessible pour les clients Boursorama Bank. Pour bénéficier d'une assistance technique ou pour toutes autres suggestions, contactez-nous à l'adresse endroit@boursorama.fr. Boursorama Bank, si vous avez un compte chez eux, vous allez donc pouvoir gérer vos comptes vocalement, faire des virements et faire tout un tas de choses grâce à l'application Boursorama Bank et Google Home. Alors si vous la testez, si vous êtes abonné à ce genre de service, je serai très intéressé d'avoir un retour, de me faire un petit commentaire dans la section commentaires pour savoir comment cela fonctionne. Car ça peut être super intéressant de pouvoir faire ses comptes, d'avoir accès à ses comptes via la reconnaissance vocale lorsqu'on est une personne déficiente visuelle. On va tout de suite passer à la deuxième application. C'est parti, on y va. Pour cette deuxième, pourquoi ne pas deviner la place ? Qu'est-ce que deviner la place ? On va tout de suite voir ensemble. On va donc parler culture et savoir. Devinez la place. Vérifions ce que vous savez du monde dans lequel vous vivez. Devinez la place. Somnatsa 5.0. Culture et savoir. On va donc tout de suite demander à notre Google Home de parler avec Devinez la place. Bien sûr. Voici Devinez la place. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer Devinez la place. Ok, on y va. Inspirez profondément, c'est votre première question. Quel pays a une feuille d'érable sur leur drapeau national ? Canada ou États-Unis ? Canada. Canada. Chapeau l'artiste, on enchaîne avec la question numéro 2. Nom plus grande île du monde ? Pennsylvanie ou Groenland ? Groenland. Groenland. Parfait, bonne réponse. Vous allez aimer celle-ci. Où voulez-vous trouver la plus ancienne forêt du monde ? Madrid ou Daintree Forest au nord de Cairns, Australie ? Madrid. Pas exactement, non. Vous auriez dû répondre Daintree Forest au nord de Cairns, Australie. Question numéro 4, c'est reparti. Dans quel pays est né Nelson Mandela ? Zambie ou Afrique du Sud ? Afrique du Sud. Afrique du Sud. Bonne réponse. On ne vous arrête plus. C'est passé trop vite. On arrive déjà à la dernière question. Quelle est la capitale de l'Afghanistan ? Kaboul ou Dakar ? Voilà pour l'application Devinez la place. Attention à ne pas confondre avec cette application du nom de Parler avec Devinez la capitale. Très bien. Je vous mets en relation avec Devinez la capitale. Bonjour, et si on rejouait deviner la capitale ? Attention, c'est parti, première question.
Birmanie, Naypyidaw, Georgetown ou Stockholm? Stockholm. C'est raté, dommage. C'était Naypyidaw. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Question numéro 2. Russie, Windhoek, Moscou ou Bangkok? Moscou. Et oui, c'est bien ça. Ok, question suivante. Les autos? Saint John's? Stop. Ok, voici votre score. 1 sur 10. Au revoir. Voilà, donc devinez la capitale et devinez la place. Deux applications complètement différentes. Avec ces applications, vous allez vraiment pouvoir vous amuser en famille ou seul si vous aimez les jeux en individuel. On passe à la prochaine application. On va demander à notre Google Home de parler avec... On va parler vacances et on va demander à Google Home de parler avec... Parler à Reza Vacances. Ok, je vous mets en contact avec Reza Vacances. Bienvenue sur Reza Vacances pour trouver vos vacances en France, que vous recherchiez des hôtels, des campings, des locations de vacances, des gîtes, vous y trouverez votre bonheur, dit camping, hôtel, gîte, chambre d'hôte ou destination. C'est à vous. Destination. Nous vous proposons de découvrir nos derniers coups de cœur sur nos différentes destinations incontournables, dit Bretagne, ou n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site resavacances.fr. Bretagne, on va aller visiter la Bretagne. Merci, dites les îles de Bretagne, baie de Morlaix, cœur de Bretagne, Bretagne Sud, ou n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site resavacances.fr. Cœur de Bretagne. Passez vos vacances dans l'une des 11 destinations touristiques créées par la région Bretagne, cœur de Bretagne. Toutes ces destinations ont été créées car elles proposent toutes des paysages et des patrimoines culturels très diversifiés. Cœur de Bretagne saura donc vous offrir tous les ingrédients pour que vous passiez des vacances dans un cadre exceptionnel. Cette destination, étendue sur 3 départements différents, s'étend de Plébin à Loudéac et de Calac à Pontivy, vous y retrouverez de très nombreux sites emblématiques et paysages magnifiques. Ainsi, vous pourrez faire des randonnées, à pied, en VTT ou en cheval sur les monts d'Arrée, les montagnes bretonnes. Si vous préférez l'eau, le lac de Guerlédan, d'une superficie de 300 hectares est le lieu idéal, vous pourrez randonner autour, profiter de la nature exceptionnelle aux alentours, ou encore vous y baigner et naviguer dessus. Sur le canal de Nantes à Brest, vous pourrez pratiquer le kayak, le canoë et louer des bateaux électriques. En ce qui concerne la patrimoine culturel, la destination Cœur de Bretagne, berceau du Festnoz, est le lieu de nombreux événements, le festival Fizel, le festival Pline, la nuit de la Gavotte, le printemps de Châteauneuf, le championnat des sonneurs et le très connu festival des vieilles charrues. Stop. Voilà donc, vive la Bretagne, vive les Bretons. D'ailleurs, je vais aller faire une petite visite du côté du Mont-Saint-Michel, ça va être génial. Et donc, parler avec Reza Vacances, c'est ce qui va vous donner peut-être envie ici d'aller en Bretagne ou ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur le Google Home et ses nouvelles applications. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre Google Home préféré. Passez un bon week-end et à très bientôt pour une prochaine. Pensez à vous abonner, à liker et comme d'habitude à partager. C'est ce qui fera monter donc cette chaîne auprès de YouTube. À très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.